Rappelez-moi le nom de, du joueur. Il est dans l'effectif, là? Non. Donc je ne connais pas. Je suis désolé pour lui. Si je dois m'occuper de tous les anciens joueurs de APR, FC, moi je réponds aux joueurs qui me sont présentés. Les dirigeants m'ont présenté un groupe. Voilà. Je pense qu'il doit d'abord s'adresser à ses dirigeants plutôt que s'adresser à un entraîneur qui a 23 jours de travail. Et en tout cas, ce problème-là, j'en ai pas entendu parler. Voilà. Ouais, ces deux joueurs ont subi un engagement important cette semaine. Dès lundi, la première séance a été une séance engagée. Et bon, ils ont subi des accrochages. C'était pas très grave. En tout cas, pour Gilbert, ça s'est vite réglé. Pour Cheibou, c'était un peu plus compliqué puisqu'il y avait une entorse. Donc il a réintégré le groupe hier. On a encore un entraînement ce soir. On attend, mais je pense que ça va dans le bon chemin. Il a fait ce qu'il fallait. Le médical a fait ce qu'il fallait. Et en tout cas, on espère qu'il soit là, mais on ne prendra pas de risque puisque la saison est longue et on est en début de saison et il faut éviter les rechutes. Voilà. Alors, je ne sais pas à quel niveau on va avoir, mais je sais qu'il y aura de l'intensité, ça c'est sûr. On aura de l'intensité en face de nous, très importante. On aura des moments difficiles, c'est une évidence. Je pense que il faut imposer notre identité de jeu, avoir le ballon, maîtriser les temps faibles, les temps forts. C'est ça qui m'importe dans le contenu. Mais je pense qu'on aura un match spectaculaire, je crois. On a des styles différents. Et puis une finale qui joue sur 90 minutes avec les arrêts de jeu, les pénalties, où on a une préparation très courte pour les deux équipes, on intègre des nouveaux joueurs. Je pense que il y aura des moments difficiles, mais des moments où où les gens pourront prendre du plaisir. En tout cas, ce sera engagé. Une finale, c'est toujours engagé et c'est toujours incertain. Après, est-ce qu'il y aura beaucoup de buts? Je ne sais pas, mais il faut qu'il y ait du spectacle pour que les gens prennent du plaisir. Et le choix des joueurs étrangers, il faut utiliser 6. Vous allez utiliser 6 et après vous avez 7 joueurs étrangers qui sera exclu du groupe. Oui, la règle, c'est la règle du championnat rwandais. Hein. Donc il faut bien sûr l'accepter, on l'accepte. Après, c'est difficile de laisser un joueur qui a bien travaillé, mais c'est les règles. On respecte les règles et on attend le dernier entraînement de ce soir, puisque malgré tout, il peut y avoir des blessures pour sortir un joueur étranger. Mais voilà, c'est comme ça. C'est la loi, les lois qu'on doit respecter. Est-ce que vous êtes...